croyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Qu'est-ce que je fais? Mais comment? Voilà une demi-heure que vous me faites des signes et des gestes, que vous m'adressez des regards menaçants, que vous me compromettez en un mot. Personne n'a rien vu. Ils jouent aux cartes tous les trois. Mais je vous demande pardon. Lucienne s'en est parfaitement rendu compte. Et c'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Vous n'avez qu'à venir tout de suite, quand je vous ai appelé. Mais je ne suis pas à vos ordres. Pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai appelé. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous conduisez de plus en plus mal. Quoi? Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons donc. Beaucoup trop. Mon voisin n'était pas de cet avis. C'est bien ce que je voulais dire. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. En outre, vous avez des éclats de rire qui sont inexplicables. Mais je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Je le regrette assez. Eh bien, moi, pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et si je le regrette, c'est que j'en ai tous les ennuis sans en avoir les agréments. Enfin, heureusement que ça va finir. Je l'espère. Et dans pas bien longtemps. Il se peut parfaitement que dans 2 jours, tenez, ce soit fait. Quoi donc? Ben ça. Mais quoi ça? Ben que je sois votre amant. Oui, oui. Retenez bien ce que je vous dis là. C'est plus que probable. Oh. Mais... je ne vous crois pas. En tout cas, vous en serez la première avertie. Oui, dans 48 heures, ça va être à prendre ou à laisser. Oh, allons donc. Retenez bien ce que je vous dis là. Croyez pas que j'allais continuer de vous aimer comme ça toute la vie, de loin. Ah non, quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut quand même qu'un jour elle finisse par y passer. Oh, vous avez une façon de dire les choses. Ah, je voulais bien me faire comprendre, excusez-moi. Oh, je vous ai bien compris. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Allons donc, voilà 3 mois que vous accueillez mes assiduités. Vos hommages? Quand des hommages se renouvellent quotidiennement, moins qu'on en peut dire, c'est qu'ils sont assidus. Vous faites allusion à vos fleurs? À tout, à mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. Ah, vos légumes? Je vous ai envoyé des légumes de ma propriété. Oh, j'appelle ça des fleurs. Bah, si vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée... Et mes œufs frais, dont je me prive depuis des semaines. Vous me les reprochez? Vous allez me les rendre? Non, certes, je ne vous les reproche pas. Mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule. Oh, jolie plaisanterie! Je revendique le droit de badiner, même dans la colère. Vous en aurez encore 12 demain matin. Non, bien sûr, je ne vous les reproche pas, mes œufs. Mais venez pas dire aujourd'hui que j'ai repoussé mes hommages, alors que précisément, vous les avez encouragés. Oh! Mais comme vous êtes hypocrite, est-ce que chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas longtemps dans la mienne? Mais comment voulez-vous que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Et quand nous sommes assis un à côté de l'autre, ça nous est arrivé 10 fois depuis 3 mois. Pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Mais parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mes 2 pieds sous ma chaise, vous venez chercher celui que vous voulez avec le bout de votre pied à vous. Vous retirez même pour ça votre escarpin. Je ne veux pas vous faire de mal. Et pour mieux m'attraper la cheville. J'ai le pied prenant, j'en profite. Mais comment voulez que je fasse, moi? On ne peut tout de même pas se donner des coups de pied sur la table pendant tout le repas. Pour en finir, je cède et je vous laisse mon pied. D'ailleurs, je tiens à vous dire que je ne vois rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements de membres inférieurs. Et nos baisers? Parlez des vôtres. Ah, sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. Bah, c'est vous qui les recevez. Quand vous avez vos légumes. Ah, si vous en faites vos choux gras, j'aime cette comparaison. Du reste, vous n'irez pas qu'il faut être au moins 2 pour qu'un baiser se réalise. Je me suis toujours défendue. Ah, pour commencer, oui. Ah, bah, c'est comme pour les pieds, ça. Écoutez, je ne peux pas lutter avec vous. Je ne suis pas de force. Et puis enfin, je ne tiens pas à rentrer chez moi avec des vêtements en lambeaux. Allons bon, je me souviens d'un baiser récent, tenez, auquel vous avez pris une part extrêmement active. Celui dans la voiture? Oui, je m'en souviens. Je ne vous ai pas découragé en effet ce jour-là.
J'aimerais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Oui, vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Comment jusqu'à l'Élysée? Oui, le baiser a commencé rue Royale, il a fini à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration. Si vous m'en parlez comme d'une performance, j'essaierai de faire de mon mieux la prochaine fois. En tout cas, moi j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. Ah non, j'en conviens moi-même. Bah alors, dites-le. À qui? À moi. Mais je vous le dis, pour un homme de votre âge. Comment? Pour un homme de mon âge? Mais vous êtes bien un homme de votre âge? Ah, évidemment, je suis un homme de mon âge. Eh bien, pour un homme de votre âge, ça me semblait très très bien. Alors? Alors quoi? Bah alors pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Jamais. Vous m'en parlez souvent, chaque fois que vous en avez l'occasion, mais vous ne me l'avez jamais demandé. Jamais. Pour la première fois, ce soir, je vous ai vu formel à ce sujet. D'ailleurs, vous ne me l'avez pas demandé, vous m'en avez menacé comme d'une malheur probable et qui m'arriverait d'ici 48 heures. Mais enfin, la jalousie vous rendait audacieux. L'expérience avait réussi. L'expérience? Oui, j'ai voulu vous rendre jaloux par curiosité ce soir. Mon Dieu, mais c'est affreux ce que vous me dites là. C'est affreux et c'est merveilleux à la fois. Mais vous voyez comme je suis modeste, je n'osais pas vous le demander. Et comme de mon côté, je n'osais pas vous l'offrir, ça aurait pu durer comme cela longtemps. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. Mais... ça aurait certainement mieux valu de le faire sans en parler que d'en parler comme ça tout le temps sans jamais le faire. Mon Dieu, mais... comme je m'en veux, comme j'ai été bête. Quel temps perdu, Seigneur! Mais comment on va l'attraper? Car enfin, n'est-ce pas, mieux vaut tard que jamais. Voulez-vous, demain, 5 heures, chez moi? Oh non, maintenant c'est trop tard. Comment trop tard? Bon, voyons, vous pensez? J'ai attendu patiemment pendant 3 mois et j'ai fini par renoncer. Ah oui, mais pas moi! J'ai pas renoncé, moi! Eh ben, bien... faites-le avec une autre. Quelle horreur! Une autre? Quand c'est vous que j'aime? N'est-ce pas, vous viendrez demain à 5 heures chez moi? Oh, mais non! Et si je vous ai, si je vous ai dit comme je viens de le faire, c'est parce que justement, il ne peut plus en être question. De quoi aurais-je l'air à présent, voyons? Vous ne viendrez pas demain à 5 heures chez moi? Oh, mais non! Ne le répétez pas. Je le répéterai. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est le faux. Je ne irai pas demain chez vous à 5 heures. Vous êtes en train de m'exaspérer. Et quand vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Je perds la tête. Quand vous perdez la tête? Bah, je ne sais plus ce que je fais. Et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, je gifle. Oh, vous giflez. Et puis très fort. Eh bien, j'aimerais voir ça. Eh bien, soyez heureuse. Oh, par exemple. Allons bon, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Comment encore? Ne te froisse pas, mon petit, si je dis encore, car j'ai déjà eu un embêtement tantôt à mon bureau. C'est le deuxième de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, évidemment, je me doute. Rabat a manqué de respect. Exactement. Pourquoi vous lui avez manqué de respect? Bah... ah oui, c'est toujours la même raison. Et c'est ce qui est embêtant avec les jolies femmes. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut tout de même pas épouser des laiderons sous prétexte d'avoir la paix. Alors, c'était grave? Pas très? Mais enfin, il y a eu quelque chose, un petit quelque chose, c'est certain. Et c'est ça qui est bien dommage. Parce que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux tout de même pas le gifler à mon tour. On ne peut tout de même pas se mettre tous les deux à taper sur cet homme-là. En tout cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Mais je ne la prends pas gaiement, ma chérie. Je la prends comme un homme à la fois extrêmement contrarié, Jonathan, et à la fois satisfait, je l'avoue. De quoi? Tu es satisfait d'apprendre que non a été insolent avec ta femme? Mais non. Je suis satisfait de penser que tu es une femme honnête. Sinon, tu ne l'aurais pas giflé sans cela. Mais je suis doublement satisfait de savoir que Raval n'est pas ton amant. Ce que je redoutais, je l'avoue. Ce que je redoutais même énormément depuis une quinzaine de jours. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi tous les deux, depuis quelque temps, je ne vous demandais plus jamais de venir jouer aux cartes avec moi? Non. Eh bien, voilà 2 semaines que je ne vous demande plus,
Depuis le soir où vous m'avez caressé le pied droit sous la table avec votre pied gauche pendant un quart d'heure. Eh oui. Ce soir-là, je me suis dit... Tiens, tiens. On va pas aller un petit peu plus loin. Donc, ce soir-là, j'ai la preuve que tu n'es pas sa maîtresse, puisque tu l'as giflé. Ah oui, c'est la preuve que... Mais voyons, dame, s'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé. Et s'il t'avait giflé, nous serions tous les deux en train de nous égorger maintenant. Voilà pourquoi je dis qu'il faut bénir le ciel. Revenons maintenant à ce qui vient de se passer. Alors, tu vois qu'il a été insolent avec toi. Oui. Bon. Comment bon? Mais bon, ça veut dire que je l'admets, mais pas que je l'accepte, tu penses. Donc je l'admets, il a été insolent. Bon. Cependant, comme il est un homme bien élevé, je pense que son insolence n'est que la manifestation du sentiment flatteur en somme que tu lui inspires. Il n'a pas insulté ni ton père ni ta mère. Il ne t'a pas dit que j'étais un escroc, un bandit, un assassin, non? Donc, encore une fois, son insolence est pour toi la preuve, un peu trop évidente peut-être, de tout à son goût. Oui. Eh bien, nous voilà d'accord. Qui? Tous les trois. Absolument. Comment d'accord? Mais voyons, dame, je te trouve très belle. Il te trouve également très belle. Donc déjà, nous sommes d'accord tous les deux. Et toi, tu ne trouves pas que tu es très belle aussi? Oh, si. Eh bien, tu vois, nous sommes d'accord tous les trois. Voyez-vous, mes enfants, quand on est d'accord sur un point aussi important, je pense qu'on n'est pas loin de s'entendre. Abordons maintenant la question de la gifle. Il a reçu une gifle, l'avait-il mérité? Mais... Mais laisse-nous donc parler, voyons... L'avait-il mérité? Non. Oh! Mais laisse-nous donc s'expliquer ce malheureux giflé, voyons, allons! Je vous écoute, mon ami. J'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sa grâce et sur son élégance. Bien. Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement... Ah, tu vois, il le reconnaît lui-même. Elle a pensé sans doute que mon intention était de lui prendre un baiser. Et j'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet. C'était comme un réflexe. Car, permettez-moi de vous faire observer... Je vous en prie. ...qu'un homme de mon âge... ne s'expose pas à une pareille mésaventure, surtout quand le mari se trouve à 10 mètres de là. Ben voyons. D'ailleurs, on ne prend pas un baiser à une femme, à moins d'être une brute, un gousin, ou bien à moins d'être un novice. C'est très juste. Et ce, entre nous, on ne violente une femme que si on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi. Or, madame, avais-je déjà obtenu de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir considérer que je viens d'être victime... d'une injustice ou d'une erreur. On ne peut pas plus clairement s'expliquer. Est-ce que cette façon de présenter la chose te paraît contraire à la vérité? Non. Bon. D'autre part, les compliments qu'il t'adressait étaient-ils conçus en termes outrageants? Non. Bon. Et maintenant que tu es calmé, penses-tu que tu aurais pu te méprendre sur ses intentions alors qu'il s'approchait de toi? Oui. Eh bien alors tu dois regretter de l'avoir giflé. Oui. Eh bien dis-le lui, voyons mon enfant. Quoi? Mais dis-lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Oh non, là tu m'en demandes de trop. Mais voyons, allons. Mais comment? Voilà un homme qui m'a fait une déclaration d'amour et c'est toi mon mari que me demande de lui faire des excuses. Mais... je n'ai pas dit des excuses, car il est bien évident qu'une femme ne peut pas faire des excuses à un homme. D'ailleurs, ne prenez pas la peine de discuter la chose, car la réparation que vous proposez là serait hélas insuffisante. Comment cela? Je ne peux pas encaisser la gifle de madame, et ses regrets eux-mêmes ne sauraient effacer l'injuste affront dont je suis la victime. Cette gifle, il me faut absolument la rendre. La rendre? À qui? Bah, à l'âme vous! Ah bon? Voilà autre chose maintenant. Regarde dans quelle situation tu me mets.
Ça y est, on va finir par se battre en duel pour une bêtise, en somme. Pardon, quand j'ai dit qu'il me fallait la rendre à l'un de vous, je n'ai pas de préférence. Et si on veut être logique... Mais oui, en somme, c'est vrai, c'est elle qui l'a donné, cette gifle. Elle lui en revient de droit, si j'ose dire. Absolument. Non, mais vous plaisantez en ce moment, tous les deux. Nous plaisantons. Plaisantez-vous. Ah, mais pas du tout. Ah bon, je croyais que vous plaisantiez. Bon, bon, bon. Si vous ne plaisantez pas, alors bon, c'est entendu, j'accepte. Tu acceptes quoi? La gifle. Tu plaisantes? Mais non, pas plus que vous. Je pense également que c'est la seule façon d'en sortir. Et si vous n'en avez pas parlé, je vous l'aurais proposé moi-même. Donc, allons-y, finissons-en, je vous en prie. Oula, doucement, doucement. Oh, vous pensez. Je vous attends, monsieur. Je viens. Allez, dépêchez. Je viens, madame. Il y a des simulacres éloquents, madame. Et je vais faire un simulacre qui va me rendre mon honneur. Sur celle-ci, maintenant, je préfère. Oui, oui. Oh. Oh, elle est forte, celle-là. Non, non, elle avait plus de bruit que de mal. Ah bon? C'est bien. Parfait comme ça. Écoute, si tu es contente, c'est déjà énorme. Seulement, écoutez, tous les deux, n'allez pas rester comme deux chiens de faïence à vous regarder du coin de l'œil. Dites-vous un petit mot aimable. Et qu'il ne soit plus jamais question de tout ça. Demain, 5 heures chez vous. Ça y est? Ça y est! Ça y est! Ça y est.